Alors, nous venons de passer une matinée avec les députés du groupe sécurité de l'Assemblée nationale et chez GK Pro, Georges Cumufian, qui nous a accueillis. C'était important de voir les techniques d'interpellation de la police nationale et des forces de sécurité d'une manière générale. C'était important de voir les difficultés qu'ils avaient à interpeller. C'était important de voir la fameuse clé d'étranglement et le plaquage ventral qui est tant décrit aujourd'hui. Et ce qui était important aussi et surtout, c'est de voir si on avait des techniques qui pouvaient prendre la suite de ces techniques-là. Et on a vu une démonstration du pistolet à impulsion électrique qui est une arme de nouvelle génération, mais surtout qui est une arme couplée avec des caméras. Et ça, le fait de filmer, c'est quelque chose de dissuasif. Le pistolet à impulsion électrique, c'est quelque chose de dissuasif aussi et qui permettra sans doute demain aux policiers et aux gendarmes d'interpeller à distance. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est de ne plus avoir de corps à corps, d'être à distance. Quelque chose qui est capable de, à la fois, sécuriser les policiers qui interviennent, mais aussi faire en sorte que l'ensemble de la population comprenne le travail des policiers et des gendarmes. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Et en remerciant encore une fois GK Pro et Georges Cumufian, le responsable de GK Pro.